A bad girl bomb me kick around the place. Pull away to the phone, my wind up your waist. Your patchy kick up, follow me, you're the actress. Bad girl bomb me kick around the place. Pull away to the phone, my wind up your waist. Your patchy kick up, follow me, you're the actress. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je me suis mis dans mon lit parce qu'aujourd'hui, je vais devoir utiliser mon ordinateur. Enfin, utiliser mon ordi dans mon lit. Tranquille sur mes genoux, là. Je suis bien. Alors, aujourd'hui, c'est le début des soldes. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, enfin, je vous avais déjà dit pour le Black Friday, moi, je fais une liste pour que ça soit plus simple. Pour que ça soit organisé. Enfin, pour les soldes, c'est un peu moins nécessaire parce que c'est sur une période un peu plus grande. J'avais dit que pour le Black Friday, il fallait faire une liste parce que justement, bah, c'était une période courte. Donc, tu étais obligé de penser rapidement. Donc, c'était mieux d'avoir ta liste de préparer. Mais pour les soldes, moi, j'ai quand même une liste de vêtements que j'ai envie d'acheter pour pas me perdre et surtout pour pas acheter des choses dont j'aurais pas forcément besoin. Dans les soldes d'été, j'achète les vêtements pour l'hiver. Et pour l'hiver, pendant les soldes d'hiver, j'achète les vêtements pour l'été. C'est comme ça que je fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça. Parce que d'habitude, en été, les vêtements pour l'hiver ou pour l'automne même, ils sont plus en promo. Que les vêtements pour l'été. C'est normal parce qu'on se dit les gens pour l'été ils vont acheter des vêtements d'été et pour l'hiver ils vont acheter des vêtements d'hiver et on ne dit pas que pour l'été ils vont acheter des vêtements d'hiver, etc. Enfin vous avez compris. Donc moi je fonctionne en sens inverse, donc j'achète mes vêtements d'hiver en été. Je me suis dit que j'allais vous montrer la liste des vêtements que j'avais prévu d'acheter donc pendant ces soldes. Les vêtements que je veux, il y en a quand même pas mal qui sont en rupture de stock ou qui sont à des prix trop pourris. Là je fais cette vidéo donc on est samedi juste avant ce mercredi. Il y en a qui sont même pas encore là, il y en a qui sont à des prix trop élevés donc j'espère que tout ça va baisser. On va d'abord commencer par les vêtements que j'ai repérés donc sur Asos. Je vous les montrer sur mon téléphone parce que j'ai l'appli évidemment. J'ai fait exprès de me mettre un peu sur la gauche pour afficher l'autre partie de mon téléphone justement sur la droite. Donc on commence avec ce sweat orange. Alors ce sweat ça fait trop longtemps que je l'attends, je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je kiffe la couleur. En fait, c'est un sweat que j'ai déjà en jaune et en bleu, sauf que je le veux en toutes les couleurs en fait. Donc, je le veux aussi en orange, sauf qu'à chaque fois il passe en rupture de stock. Donc là, vous voyez, il y a toutes les tailles qui sont épuisées. Moi, donc ma taille c'est M. À chaque fois, il reste que du XL. Tous les jours, je vais sur Asos et je regarde s'il est revenu. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Ensuite, on a encore des sweats, un sweat beige de chez Asos, de la même coupe à peu près. Il est pas mal, il est vraiment pas mal. Bon, c'est encore un sweat banal, hein, mais c'est la couleur que je kiffe. Ouais, en plus il a l'air de bien taillé. Et un sweat kaki, bon il vient de Pull & Bear. Je sais pas ce que ça vaudra en niveau qualité, mais bon il m'a l'air bien. Surtout parce que le sweat, enfin Asos ne fait pas de sweat comme les deux que je vous ai montré tout à l'heure en kaki. Donc j'ai dû un peu me rabattre là dessus Ouais, 97% coton, 3 elastane. Bon 3 elastane ça va. Par contre ce qui me fait un peu peur c'est que le mannequin il fait 1m89 et il porte du M. Donc je me demande si je prends du M ça va pas faire trop grand sur moi. C'est ça qui me fait peur. On verra. Donc ça c'était pour les sweats. Ensuite il me faudrait un par-dessus. Un par-dessus en laine. Je dis il me faudra un par-dessus en laine. Il me faudra un par-dessus. Après il est en laine. Tant mieux. Enfin tant mieux. Tant pis j'en sais rien. Mais il me faudra un truc comme ça. Ouais un truc long. Un peu noir. Qui fait un peu classe. J'ai trop d'idées de tenues avec ça. Surtout en automne. Tu peux faire des super layering. En hiver ça peut être pas mal aussi. Détail des produits. Doublure 100% polyester. Ça va. Matière principale. Ah les matières elles sont pas ouf. Les matières elles sont pas ouf, j'avais pas regardé ça. Mais il faudrait que je regarde un peu plus en détail s'il y en a d'autres qui ont à peu près le même rendu avec des matières un peu plus nobles. Ensuite on a donc ce t-shirt oversize blanc. Bon un truc archi basique mais genre si ça dépasse en dessous d'un sweat justement des sweats que soit j'ai acheté ou que je compte m'acheter, je trouve ça pourrait bien rendre. Parce qu'en fait les t-shirts blancs oversize comme ça, je les trouve grave stylés mais quand ils dépassent d'un sweat. Juste porté comme ça j'aime pas forcément. Même, enfin, non, j'aime pas forcément. Bon, après, lui, évidemment, enfin, ça choque pas, mais enfin, même là, je trouve qu'il n'y a pas trop de dégâts. Alors que pourtant, c'est un mannequin, le mec, tout est censé bien lui aller, mais bon, je trouve pas ça ouf. La veste en jean, là, celle-là, alors celle-là, je la veux depuis très peu de temps. Parce que de base, je voulais pas une veste en jean comme tout le monde, là, genre avec le col fourrure. Je me disais que tout le monde avait ça. Mais finalement, plus j'en voyais, plus j'en avais envie. Donc pourquoi pas. Le truc, c'est que je voulais pas une bleue déjà pour pas faire comme tout le monde. Et aussi parce que, comme c'est une veste avec doublure laine, c'est un truc que tu mets pour avoir un peu chaud. Et tu vas pas mettre ça en hiver. Enfin, le bleu en hiver, les couleurs comme ça fortes en hiver, d'habitude, je mets pas autant de couleurs en hiver. J'essaie de rester un peu plus sobre. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne option. Voilà, donc après c'est tout pour les vêtements sur Asos. Maintenant on va passer aux vêtements donc sur les autres sites. Donc c'est là que j'ai besoin d'utiliser mon ordi. Alors il me fallait un perfecto en cuir noir. Pour l'instant. Bon, on sait pas peut-être qu'il y aura d'autres perfectos, mais pour l'instant il m'en fallait un noir. J'ai tapé perfecto cuir noir homme.
c'est important de préciser homme. Je suis tombé là-dessus sur cuircity.com. Je connaissais pas du tout. Bah, de toute façon, j'ai jamais acheté de cuir de ma vie, donc évidemment, je connais pas. Ça a l'air pas mal. C'est une coupe slim fit, c'est du perfecto en cuir d'agneau. Je sais pas quelle autre sorte de cuir il y a, mais bon, c'est archi cher, c'est 250 balles, c'est comme il fallait les chercher. C'est pour ça que j'attends les soldes, donc ça tombe vraiment à pic. Problème, c'est que bah il est en rupture de stock pour ma taille. La seule taille qui reste, c'est 2XL, s'il vous plaît. Sur la boutique officielle, on a ce sweat oversize de la marque John H. Il est noir, avec des déchirures, un peu blanc, avec des motifs blancs, tête de mort. J'aime beaucoup. D'habitude, je prends que des trucs simples, parce que je me dis que... mixant des trucs simples, c'est là que tu peux faire les meilleures tenues. Mais il faut quand même un peu d'excentricité, je trouve, parfois. Et ça, ça peut vraiment faire la touche d'excentricité. Ouais, il est vraiment pas mal. 30% polyester, bon, c'est pas vraiment conseillé, mais ça va. 70% coton, donc c'est bon. Et par contre, ça aussi, j'ai très peur parce que il est bientôt en rupture de stock. Là, j'ai cliqué sur la taille L et on écrit derniers articles disponibles. Donc je pense que dès que il y aura les soldes, je vais me précipiter là-dessus et je vais l'acheter. Normalement, son prix, il aura encore baissé. Là, on est donc le samedi avant les soldes et c'est 30,39€, alors que de base il était à 37,99€, réduction de 20%. Donc on va voir ce que ça donnera pour les soldes. Non, ça sera encore plus doux. Dans la boutique officielle, bah, j'ai que des casquettes. J'en voulais une rose clair. Il faut l'oser, hein, mais moi j'aime bien les couleurs, donc rose clair, ça peut être pas mal. J'en voulais une aussi bleu chiné, bleu clair chiné. Bon, je m'aperçois là qu'elle est épuisée. Bon, c'est un peu dommage. Je vais voir si elle est revenue d'ici les soldes. Ils auront plus d'intérêt, ce sera mieux pour eux. Après, on a une orange clair fluo. Bon, ça aussi, il faut assumer. Mais avec un t-shirt orange, ça peut le faire. Coloré pendant l'été, c'est cool. Une bleu clair aussi. Alors, toutes les casquettes, les trois dernières casquettes que je vous ai montrées là. D'habitude, je prends le logo avec NY, la New Yankees. C'est pas mal, mais enfin, ça me pose pas de problème que ce soit Los Angeles. Du moment que c'est New Era, moi ça me va. Parce que j'adore leur forme et le fait que ce soit ajustable à l'arrière. Pour toutes les formes de tête. Ma tête. Et aussi, je voulais un jogger pant. Le jogger pant noir du coup. J'en ai déjà un kaki. Et d'autres couleurs que je vais vous montrer plus tard dans un haul. Mais non, ça peut être pas mal en été. En fait, ce que j'adore dans ces jogger pants, c'est que moi, comme ils sont un peu trop petits pour moi, ça m'arrive un peu au-dessus des mollets. Et je trouve que c'est parfait parce que c'est pas comme si c'était trop petit. Vu que ça serre comme il faut, c'est pas non plus, je suis pas étriqué dedans. Ça arrive juste au-dessus des mollets, donc c'est vraiment nickel. Donc je me dis que prendre un maximum de couleurs. Moi, à partir du moment où j'ai trouvé ma coupe, la coupe qui me va, j'ai vraiment aucune limite sur les couleurs. Donc moi, j'aimerais limite toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que j'achète autant de casquettes. C'est pour ça que j'achète autant de jogger pants. Donc celui-là, j'aimerais vraiment l'avoir. Alors ce suit à capuche noire que j'ai trouvé sur Zalando et le bleu aussi, parce que je suis vraiment en manque de suit à capuche. J'ai acheté récemment de suit à capuche, je vous les montrerai dans le prochain haul, mais il m'en faut plus, c'est pas assez. J'en veux un noir, un bleu pour l'instant. Donc voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. J'espère que je vous ai donné des idées, surtout parce que en soi vous vous en tapez un peu de ce que je veux, mais j'espère que ça vous a donné des idées pour ce premier jour des soldes. Bah, profitez à fond, faites-vous plaisir, quand même faites attention à ce que vous achetez. Regardez la qualité surtout, parce que normalement il y aura beaucoup d'offres et ça peut être pas mal de shit. Donc portez-vous bien, profitez de ce premier jour des soldes. Tchuss!